En plein cœur de l'été, l'Arcom a chamboulé tous les plans du groupe Canal+. À la surprise générale, le régulateur de l'audiovisuel a décidé de ne pas renouveler la fréquence de C8, sa chaîne de la TNT qui cessera officiellement d'émettre le 28 février 2025. Malgré cette décision inattendue, la chaîne, qui a été sanctionnée à un total record d'amende s'élevant à 7,6 millions d'euros suite à des séquences de Touche pas à mon poste, signera sa rentrée le lundi 2 septembre 2024. Son programme phare, animé par Cyril Hanouna, lancera une nouvelle saison à partir de 18h10. Et les dirigeants de Canal+ ont d'ores et déjà promis qu'elle serait dynamique. Comme cela était le cas la saison dernière, l'animateur de TPMP sera précédé par Pascal de la Tour du Pin. Cette dernière ne sera toutefois plus à la tête de PAF. C8 a décidé d'arrêter l'émission pour lancer une nouveauté. Le nouveau rendez-vous quotidien de l'ex-présentatrice de BFM TV, qui sera diffusé à compter du mardi 3 septembre à 17h55, sera intitulé Pascal, Eric, Nolo, note de la rédaction, Yann, moi, note de la rédaction, et les autres. Invitée de Culture Média le jeudi 29 août sur Europe 1, celle qui a dû être hospitalisée en urgence a été interrogée sur son avenir. Une éventuelle arrivée sur CNews est-elle envisagée après la fin de C8 ? L'animatrice a assuré que ce n'était pas d'actualité. Pour l'instant, je commence cette émission avec enthousiasme et ensuite on verra, mais je vous garantis les yeux dans les yeux qu'on n'en a jamais parlé, a-t-elle déclaré à Thomas Hill. Il y a encore un recours en cours, donc on verra, mais est-ce que vous savez où vous serez après l'arrêt de C8 ? A insisté l'ancien co-animateur de La Quotidienne sur France 5. Absolument pas. Déjà je pars dans une dynamique de rentrée donc je ne me pose pas la question de ce qu'il va se passer dans 7 mois. Vous connaissez le monde des médias, ça bouge très vite et dans 7 mois, lui a répondu Pascal de la Tour du Pin. Parallèlement au lancement de Pascal, Eric et les autres sur C8, Pascal de la Tour du Pin va se lancer un nouveau défi. Dès ce 30 août, elle officiera du vendredi au dimanche entre 19h et 21h sur Europe 1. Elle y proposera une émission centrée sur l'actualité qui se voudra être dans la continuité d'Europe 1 Soir, que Pierre de Villeneuve présente du lundi au jeudi.